Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, ça a fait beaucoup de bien ce week-end et cette semaine, j'enchaîne avec de la lecture. Et puis, toute la semaine, je vais essayer de crocheter et de faire des petites choses par-ci, par-là, de Noël. Alors, j'en ai parlé avec mon conjoint. Il m'a dit, mais ne t'embête pas à faire des trucs pour les enfants. On va leur acheter. Ils ont vu le calendrier de l'Avent Super Mario. Tous les deux le veulent. Donc, on a dit, bon, bah, ok. Cette année, ça sera moi. Et puis, je vais faire des petites choses pour mon chéri. Parce que mon chéri, il n'est pas exigeant. Enfin, il n'est pas exigeant. Tout guillemets, hein. Parce que, comme je vous l'ai dit, il veut le panda roux qui est dans le livre que je tricote, que je crochette pour mon fils. Et il veut que je lui fasse 4 tortues. Et devinez lesquelles? Pourquoi 4? Parce que c'est les 4 tortues ninja. Et avec les couleurs qui vont avec chacun. Et alors j'ai envie de le faire, j'ai envie de lui faire plaisir parce que lui il sera content de les avoir. Et puis bah, il m'a dit prends ton temps, c'est pas pressé, mais tu me les offres quand ils sont en totalité. Donc voilà, je vais lui faire ça tranquillement. Et puis voilà. Donc ce matin, nous allons parler lecture. Alors toujours avec ma pochette à livres, mais pour le coup je vais vous le sortir parce que ça sera quand même mieux pour vous. Pas pour moi et pour vous. De toute façon, je ne le travaille pas aujourd'hui, donc ils peuvent être sortis. Donc, c'est 907 fois Camille de Julien Dufresne Lamy aux éditions HarperCollins Post. J'ai bien avancé. Alors, hier, je vous avais dit, vous avez dû voir dans un petit passage juste avant que j'avais rendez-vous pour mettre mes 4 pneus neige chez Citroën et que j'allais en profiter pour avancer dans ma lecture. Qui est fait hein, parce que bon j'ai lu je suis à 160 pages, je suis à la moitié de ce super bouquin. J'aime beaucoup. Alors je vous confirme, la plume de Julien Dufresne Lamy est très particulière et je pense que je suis même sûre que quand vous ouvrez un livre que vous ne savez pas de qui il est, bah vous savez que c'est de Julien Dufresne Lamy. Il a une façon de tourner les phrases qui lui est propre. Voilà, je ne peux pas vous dire ça autrement. Jusqu'à présent, je n'ai pas lu de livre qui soit écrit de cette façon. Et ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'il nous parle de Camille, de son vécu, de la femme qu'elle est devenue, de ses forces, de ses faiblesses, de tout ce que ça nous révèle et de tout le côté fragile qui la compose, en fait, qui la définit, j'allais même dire, mais toujours en se remettant en question, en nous racontant sa mise en question, ses réflexions concernant comment parler de Camille, comment faire que Camille soit une héroïne mais sans perdre Camille de vue. Enfin, vraiment tout ce cheminement d'écriture qu'il a fait durant tout ce livre. Et franchement, c'est très agréable. Alors après, c'est pas un livre qui se lit facilement. Enfin, pour moi en tout cas. La tournure des phrases, parfois, elle est un peu perturbante et des fois, je suis obligée de revenir sur les phrases que je lis parce que j'ai l'impression que j'ai raté un truc, que j'ai pas pigé un truc et du coup, bah, ça me prend plus de temps à lire. Donc, effectivement, c'est pas un livre qui peut se lire vite parce qu'on ne peut pas survoler de passage. Sinon, il y a un moment donné où on se dit, mais on a raté un épisode. Donc, vraiment, c'est... Il faut bien comprendre l'histoire, il faut bien saisir l'importance de Camille, l'importance que Julien Dufresne Lamy apporte à sa façon d'écrire Camille, parce que Camille, elle a son importance. Et
Et le livre est tourné autour de Camille, de toute façon. Donc, c'est. Mais j'ai bien, j'adore la façon dont c'est écrit. Donc, après, voilà, il reste 160 pages. Alors, parfois, c'est très aéré parce que des fois, vous avez une petite page comme ci, comme ça. Je vais essayer de vous montrer. Où il reprend des. Voilà, par exemple, ça sera après. Mais voilà, il reprend une page comme ça, blanche, où il reprend un. Comment on dit soit ce que quelqu'un a dit, soit un auteur, soit il lâche une pensée à lui dessus. Et donc du coup, ben, vous avez une page blanche derrière. Et puis ça commence jamais vraiment tout en haut. Bon, par contre, après, les pages, elles sont remplies, quoi. Hein. C'est pas aéré. Mais les chapitres sont très courts, donc du coup, on tourne souvent les pages. Non, c'est. D'un point de vue mise en page, il pourrait se lire très vite, mais c'est la façon dont c'est écrit qui fait que pour moi, j'arrive pas à le lire très vite. Même hier, je me dis, j'étais chez Citroën, j'y étais de 9h15 à midi moins le quart, alors imaginez, c'était long l'attente. Et ben, j'ai lu 100 pages. Parce que y a ce côté où des fois j'ai l'impression que je déconnecte, je me dis mais attends, c'est pas possible. Enfin, je relis des phrases. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai besoin de m'imprégner bien de l'histoire. Puis en plus, bon, bah après, c'est peut-être dû à mon état un petit peu de fatigue. Et voilà. Mais franchement, j'ai pas l'impression. Donc. J'ai plutôt l'impression que c'est cette façon d'écrire qui pour moi en tout cas me ralentit dans ma lecture, mais me ralentit de façon plaisante. C'est-à-dire que je me dis pas oh là là, j'en ai marre de repasser dessus. Non, non, je veux vraiment bien comprendre. J'apprécie ma lecture et du coup bah, je prends beaucoup de plaisir et je me dis bah si elle prend du temps à lire, bah elle prend du temps à lire, c'est tout. Voilà. Donc je vous le conseille. Pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est pas quelque chose. Où il essaye de nous parler, comment? De rendre l'histoire de Camille larmoyante, de faire un simple témoignage. Voilà, ce qu'il veut, il n'en fait pas un simple témoignage, il fait vivre Camille. Il l'a fait vivre, il nous l'a décrit tellement bien, et c'est pas, voilà, on va pas se dire, oh la pauvre Camille. Pour moi, je trouve que c'est une jeune femme qui a évolué dans un milieu très particulier, qui malheureusement, comme, ben, dans son adolescence, dans sa vie de jeune femme, elle a quand même un gros boulet qui est accroché à son pied, et c'est son père. Son père, le métier, enfin le métier, si on peut appeler ça un métier, mais enfin les actes de son père, les multiples envois en prison de son père, elle se retrouve à devoir faire sa vie en fonction de ça, alors que pendant des années et des années, elle a essayé de contourner tout ça. Et franchement, c'est génial. Donc je vous en dirai plus, je pense, quand je l'aurai terminé. Mais honnêtement, pour l'instant, c'est une très très bonne lecture. Voilà. Donc ça, c'est le côté lecture. Ensuite, ben, coucher, je vous montrerai rien parce que j'ai pas avancé du coup, puisque hier, j'étais sur la route. Ensuite, en rentrant, ben, j'ai fait plaisir à mon petit garçon. Je suis allée le chercher à l'école en surprise. Il était hyper content que ce soit sa maman et pas son papa hier après-midi. Et puis du coup, ben, ensuite, on s'est posé, on a goûté. Le temps est vite passé. Et puis, j'ai un problème avec mon adresse mail de la boutique, le céline@depetitbouts-de-fil.com. Je n'arrive plus à recevoir les messages, alors on a essayé de régler ce problème. Ça fait 2 soirs que je suis dessus et je pense qu'il va falloir que je contacte le prestataire du site parce que je pense que c'est chez eux qu'il y a un souci. Et faut que je voie comment je peux faire pour que ça refonctionne. Voilà. Donc pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Sinon, j'ai un petit peu travaillé donc, sur la boutique, commencé à repréparer des choses que j'ai ramenées hier.
Et je me dis que peut-être, je vais peut-être vous montrer ça rapidement, que vous ayez un rapide aperçu de ce que j'ai pu faire. Et puis, ça sera pas mal. Ouais, je pense. Je vous montre ça rapidement, mais juste rapidement. Voilà, bon bah pour aujourd'hui, je pense que je vais m'arrêter là parce que de toute façon, j'ai pas grand-chose d'autre à vous raconter. J'espère que cette semaine, elle sera un peu plus light. En tout cas, je suis d'après-midi, donc normalement les matins, je devrais pouvoir travailler, lire ou autre. En tout cas, et pouvoir venir vous prendre. Et puis à la limite, bah, je vous ferai des petites images de ce que je fais au quotidien, puisque c'est ça un vlog, hein, au final, voir... ce que je fais. Ah oui, je voulais vous dire, si, hyper important. Moi, je participe au swap de Sandrine, organisé par Sandrine de Tricotine by Sandrine. Et là, je suis en train de préparer des petites choses pour ma swap. Swapeuse, c'est ça qu'on dit? Ou swap. Ma swappy? Je sais pas. Pour la personne qui va recevoir ma partie. Et cette semaine, je suis en train de préparer ça tranquillement. Je sais pas si je pourrais vous le montrer parce que du coup, je pense pas qu'elle regarde mes vlogs, mais non, je pense pas. Mais enfin, je vous aurais bien montré quand même le colis que je voulais envoyer. On verra bien, on verra bien. Et j'ai décidé, je pense. Participer au cal de Lisandre Ourdin qui propose un cal chaussette sur le mois de novembre et ça me dit bien, ça me dit super bien. Hier j'ai regardé le truc introductif pour savoir ce qu'on pouvait utiliser comme laine pour faire ces chaussettes. Et j'ai peut-être bien ce qu'il me faut. Donc voili voilou. Donc j'ai décidé ça. Et puis si j'y arrive, peut-être qu'en décembre, comme je ne fais pas les trucs pour mes enfants, je ferai peut-être le cal. Je vais voir. Je réfléchis encore à m'inscrire au cal du petit gnome de Sarah Shea. J'ai très envie d'en faire un pour une fois. Je ne sais pas si j'y arriverai ou pas à faire le truc. Mais ça peut être sympa et puis ça peut être un contenu à vous présenter régulièrement dans mes vlogs. Bon ben voilà, pour cette fois, je vais vous laisser là et je vous dis à plus tard. Vous pourrez retrouver ces petites beautés bientôt sur le site. Alors, elles ne sont pas très grandes, elles sont très très jolies. J'adore, moi j'adore celui-là. Et celui-là, j'ai un vrai coup de cœur pour ceux-là, ils sont trop canons. Celui-là est très mignon aussi. Puis ensuite, vous aurez celui-là. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai la première partie. Ensuite, vous pourrez retrouver donc ces petits marqueurs nounours que je trouve vraiment trop trop mignons. Donc, dans toutes ces couleurs. Voilà. Ensuite, vous pourrez également retrouver des petites merveilles de ce genre. Alors, celles-ci, ce sont les miennes, soyons clairs. je vous les montre de plus près. Mais vous les aurez, donc du coup, pas forcément en pareil. Hein. Moi, si j'ai décidé de les mettre en marqueur de progrès, ces deux-là qui sont très beaux. Les autres ensuite, celui-là vous ne le retrouverez pas, c'est le mien, j'aime beaucoup, c'est un marqueur, un nouveau marqueur, sur lequel j'accroche mon petit renne de Noël. Alors, il faut que je vous le mette dans le bon sens, parce qu'il est comme ça, en vrai, vous voyez, trop joli.
Ensuite, vous pourrez retrouver toutes ces petites merveilles et plein d'autres encore. Et celles-ci, je ne vous les montre pas, mais ce sont des petites merveilles que je mets en cadeau pour toute personne qui commandera sur ma boutique. Alors, pour vous montrer qu'il y a quand même un petit peu de stock, ils sont prêts, ils sont ici. Ils sont prêts, ils sont ici. Et Noël est prêt, tout est dedans. Voilà, vous pouvez avoir un petit aperçu, il y a vraiment de très jolies choses. Mais ce sera à découvrir sur le site. On se retrouve un petit peu plus tard que ce que je pensais parce que j'ai pas pu ni tricoter ni lire, et non pas à cause du travail, mais parce que j'ai eu de gros problèmes que j'ai toujours de messagerie internet pour ma boutique, et c'est un truc infernal à régler. Donc je ne sais pas, j'y ai passé une soirée à Metz, une soirée avec mon conjoint. Hier, j'y ai passé toute ma matinée de pause pour faire ça, pour m'entendre dire « Oh, c'est pas nous, faut appeler Gmail !» Sauf que chez Gmail, il n'y a personne et qu'il faut se démerder tout seul. Donc, bon, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai dit « Allez, je fous tout ça en l'air, j'en ai marre, ça me saoule, on va passer à autre chose !» Et j'ai fait du crochet. Et franchement, elle est quasi terminée. Regardez-moi ma petite tortue. Les petits Babel avec sa petite carapace. Accrocher ses petites mains, ses petits bâtons. Voilà. Elle est type belle. Oh, moi, j'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Ça fait vraiment chouette. Vraiment chouette. J'aime bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à lui faire son petit chapeau qui fait quand même tout le style de la tortue, faut quand même le dire. Donc ben là, j'ai un petit peu de temps, donc je me dis que je vais essayer de la finir. Et puis comme ça, ce soir, je pourrais peut-être lire encore un petit peu. Voilà, voilou. Et puis je pourrais dire qu'elle est terminée. Voilà, bon. Je peux vous la montrer debout. Elle penchouille un petit peu, alors je pense que c'est mon rembourrage. En fait, dans mes amigurumis, il faudrait que j'envisage de mettre, vous savez, les fonds un petit peu en sable là. Elle me regarde. Coucou, que je suis belle. Toutou. Oh, c'est la mère qui est plus folle que son fils. Enfin, c'est pas grave. Je l'aime beaucoup, cette petite merveille. Franchement, voilà. Moi, je débute le crochet, hein, ça fait même pas un an que j'en fais, vraiment. Et faire ces petites choses, là, moi, j'adore. Puis bon, bah moi, j'ai beaucoup de demandes à la maison pour ce genre de petites choses. Donc, je les ai crochetées. Enfin, je les ai crochetées principalement avec... Bon, pas principalement, totalement. Qu'est-ce que je raconte? Avec de la... de la DMC Happy Cotton spécial amigurumi qui fait 20 grammes pour 43 mètres à peu près. J'ai utilisé toute une pelote de ce verre là. Alors je vais vous dire, je ne sais, je pense que c'est le 8721. Il faudrait que je revérifie sur internet quand je vous mettrai les informations en barre de description. D'ailleurs, j'ai plein d'informations, je crois, à mettre en barre de description. J'ai utilisé une autre entière. Ça doit être... Ah, à moins que ce soit ça, les coloris. Oui, excusez-moi. Ça doit être ça, les coloris. Une entière de 778. Ici, je ne sais pas... Il fait le focus quand je le mets dans l'autre sens. J'ai vu ça l'autre fois, mais pas quand je l'ai dans ce sens-là. Et de 783. Attendez, parce que je veux être sûre. Ça, c'est la 779. Ouais. De 783. Alors, je ne sais pas laquelle c'est. En tout cas, ce sont ces deux-là. Celle-ci et celle-ci. Non, celle du... un peu vert jaune. Cette vert eau. Très clair. Donc ça, j'en ai utilisé une complète et il m'en manquait presque un tout petit.
petit bout, mais j'ai réussi avec des amas de fil à droite, à gauche, à faire ce qu'il faut. Et puis, j'ai utilisé trois fois rien de ça. Donc, il faut que je pèse parce que de toute façon, je l'avais ouverte que pour la coquille. Donc, je vous dirai exactement combien j'ai mis. De toute façon, je vais faire un petit rappel-ri. Combien j'ai utilisé de ça, parce que ça, je ne sais pas. Donc, du coup, j'ai utilisé 20 grammes, 20 grammes et puis un reste de ça. Et puis ensuite, ben, je mettrai aussi la quantité que j'aurais utilisé de ça pour faire le chapeau. Alors, pour rappel, le chapeau, je vais vous remontrer. Vous savez, c'est ça. Voilà. C'est tout ça avec en tricot, on appellerait ça un I-cord. Ici, ils appellent ça comment? C'est pas un cordon. Bon. Une lanière. Voilà, il ne me reste plus que ça à faire. Je ne pense pas que ça va prendre beaucoup de temps. Le chapeau, c'est aussi un truc qui fait 10 tours. Qui fait 10 tours. Donc, c'est assez rapide à faire. Et la lanière... je pense que si je fais ça tout à l'heure, il y a moyen qu'il soit fini aujourd'hui. D'ailleurs, je vais essayer de le finir aujourd'hui. Comme ça, il sera trop content, mon petit chou d'amour. Ah, regardez, c'est pas trop mal, hein. Il ressemble. Bon, après, on n'a pas les mêmes couleurs, donc du coup, on n'a pas le même rendu. Mais voilà. Vous voyez. Voilà, voilà. Donc, ça, c'était ça. Et j'ai crocheté avec un crochet, moi, de 2,5. Moi, je crochète très serré. Donc, 2,5, ça fait ça. Et j'ai utilisé la technique de Kukkei pour faire en sorte que j'ai des petits X et non pas des... comment elle nous dit? Je sais pas si on le voit bien, là. Comme moi, je... crochet serré, on voit moins bien mon point, mais pour que le crochet soit comme ça et non comme on crochette. En fait, la seule différence, elle est minime, 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 mais elle fait la différence parce que voilà, il n'y a pas de trou d'aération contrairement à mes autres crochets. D'habitude, dans mes crochets, on a toujours un petit peu de jour où les choses ont envie de sortir, etc. Et pas dans celui-là. Celui-là, je le bourre et puis ça ne sort pas. Alors que moi, dans les autres, c'est un peu tendance à vouloir s'ouvrir. Enfin bref, vous avez compris. Et en 2,5. Voilà. Et puis moi, bon bah pour moi, j'utilise des tulipes. J'utilise les crochets tulipe rose. Alors, j'aime énormément. Mais au bout d'un moment, ce côté, je ne sais pas, siliconé là... il me fait mal à l'intérieur. Donc, j'ai besoin de plus petits crochets parce qu'en fait, le jour, j'ai vu un truc que je veux crocheter, mais il faut un crochet en 1. Et autant vous dire que j'en ai pas. Et je me suis dit, ce serait l'occasion d'essayer un crochet d'une autre sorte pour voir si ça me convient mieux sur la durée dans le temps. Parce que là, je veux faire de gros projets crochets. Je vous en ai parlé. Hein, je vais faire les... Je vérifie qu'il n'est pas dans le parage. Mes enfants, non, mais mon conjoint peut-être. Je veux leur faire pour Noël ou alors une parenthèse dans le calendrier de l'Avent. En tout cas, pour mon conjoint, ça sera dans son calendrier de l'Avent de Noël. Je voudrais lui faire le col d'aigle et laser Pyramis. Je crois qu'elle l'a appelé comme ça, col Pyramis. En mosaïque, donc c'est un peu la mosaïque, c'est la mosaïque qu'on avait dans le châle Tesselis que j'ai testé et que j'adore et que je mets très souvent dans ma maison d'ailleurs parce qu'il me tient super bien chaud et du coup j'ai été très tentée d'essayer ce patron et justement ce matin je regardais les explications puisque j'arrive au bout de mon amigurumi. Et j'ai peut-être tout ce qu'il faut. Ce soir, faut que je vérifie ou avant de partir au travail que j'ai bien la laine parce que finalement, il ne faut pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de laine. Et que voulais-je vous dire? Je ne sais plus. J'ai perdu le fil de mon... Et il faut de la déca. Voilà. Donc au pire, si j'ai pas,
J'irai demain, la semaine prochaine, moi je suis du matin, ce qui fait que du coup je peux très bien rentrer, partir à ma petite boutique. Et cette fois j'essaierai de vous faire une vidéo si j'y arrive. Acheter ce que j'ai besoin pour leur faire ça. Acheter ce qu'il faut pour faire l'amigurumi pour le calendrier de Noël, donc le panda roux pour mon conjoint. Moi je me le ferai après, c'est pas grave. Et puis lui racheter des laines pour faire ses tortues ninja. Parce que, vous comprenez, je vous avais dit. Donc, la surprise, il va avoir le panda au calendrier de l'avant. Les tortues ninja. Mais si, parce qu'en fait, j'ai peut-être une technique pour que ce soit un petit peu plus rapide que celle-là. Faut que je l'essaye. Ça sera peut-être du design personnel. Mais moi, j'aurais essayé un truc. Et on verra si ça marche. Vous n'êtes pas d'accord? Même si vous n'êtes pas d'accord, moi je suis d'accord. Côté crochet, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, donc, côté lecture. Alors, côté lecture, j'ai un tout petit peu avancé mon livre 907 fois Camille. J'ai avancé... Oh là, oui. J'ai quand même avancé, je suis à la page 217. J'ai bien dû lire une trentaine de pages hier, donc c'est toujours une trentaine de pages. Mais là, il faut vraiment que je le termine parce que c'est hyper intéressant. Mais le problème, c'est que on a l'impression qu'on lit beaucoup et puis finalement, on lit peu. Mais c'est ce que je vous disais, hein, c'est le problème de la lecture. À devoir des fois repasser sur les chapitres ou quoi. Et puis je pense que c'est sa façon d'écrire des fois où je suis un peu perdue. Donc, je reviens, je relis ma phrase parce que je l'ai mal comprise. Voilà, j'ai envie de comprendre ma lecture. Donc, voilà. Puis là, ça devient hyper intéressant. Enfin, moi, je sais que, voilà, j'aime beaucoup cette lecture. Mais je vous en parlerai plus longuement un peu plus tard. Et en lecture audio, eh ben, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai commencé la lecture Les héritières de Lovenoff, le tome 1. C'est le secret d'Agnetta. C'est ça? Je ne peux pas regarder, c'est dans mon téléphone parce que je ne l'ai pas en version papier. Alors, je vous mettrai une photo ici, hein, de toute façon, de ce que j'ai pas papier. J'adore cette lecture. Alors, j'ai préféré la prendre en audio parce qu'il faut quand même avouer que les héritières de Lovenoff, c'est des sacrés pavés. Et je me dis que j'ai déjà tellement de choses à lire que c'est... Voilà. Après, si je les trouve d'occasion, je les mettrai dans ma bibliothèque parce que je pense vraiment, vraiment qu'ils valent la peine de les avoir. C'est des livres magnifiques. J'adore l'écriture. Alors, j'aime beaucoup déjà la façon dont c'est lu sur Audible parce que ça reste quand même un livre audio. Mais franchement, j'aime beaucoup la lecture telle qu'elle est faite. L'histoire, franchement, elle est sympathique. Alors, de quoi ça parle? Les héritières de Lovenoff, le secret d'Agnetta. Ou alors, le secret d'Agnetta, c'est le deuxième. C'est plus. Enfin, celui joli, le 1, que vous voyez ici ou ici. Non, je crois que c'est ici. Notre héroïne dans ce roman, c'est la fille d'une très riche famille qui vit dans le grand domaine de Lovenoff, qui est une jeune femme en quête de liberté, qui veut un peu... se retirer de ce monde, de ses convenances, de ses protocoles qui sont obligatoires. Et son père l'aide financièrement à vivre cette vie dans une grande ville. Alors, je ne sais plus laquelle c'est. Et elle va pouvoir donner... elle va pouvoir donner du sens à sa vie en exerçant son métier d'artiste. Elle a décidé qu'elle voulait être artiste peintre et elle a intégré une école de peinture et elle vit une relation amoureuse en dehors, bien en dehors des convenances.
Et pour couronner le tout, c'est une suffragette. Donc, elle a une vision des choses, de la modernité, de la place de la femme, de l'identité de la femme dans la société, bien précise, mais qui est complètement à l'opposé de sa vie réelle en tant qu'enfant, potentiellement héritière d'un domaine. Mais celle-ci va être rappelée d'urgence à Lovenhof via un télégramme qui ne laisse rien présager de bon et qui l'informe que son père et son frère ont eu un très grave accident et qu'elle doit rentrer au domaine. De là va découler un certain nombre d'événements qui pour l'instant n'ont pas encore d'incidence sur sa vie personnelle, mais ça ne saurait tarder. Et c'est vraiment très très bien raconté. Donc c'est à la fois une romance avec des secrets de famille, avec un peu cette vie qu'on peut retrouver dans la villa aux étoffes, mais sans voir le côté, en tout cas pour le moment, employés de ces grandes maisons, parce que pour l'instant, ils interviennent certes par rapport à des tâches, mais pas comme dans la villa aux étoffes. On ne s'étend pas sur ces personnages-là. Pour l'instant, on est vraiment ciblé sur notre héroïne, ses sentiments, sa vision de la situation, sa perception des choses, sa relation avec ses parents, son frère, sa mère, ses amis. Enfin, vraiment, pour l'instant, on est très focalisé sur elle dans sa globalité. Et c'est très très bien écrit. Moi, je trouve vraiment avoir mélangé vision moderne, enfin vision moderne pour l'époque, on est bien d'accord, versus les suffragettes, avec ce monde complètement fermé de l'aristocratie, avec ses convenances, leurs protocoles, leurs obligations. J'adore. C'est vrai que finalement, je me dis que si je l'avais lu en papier, je pense que... C'est vrai, l'écrit Charleston disait effectivement, il est énorme, mais il se lit super bien. Ben, je pense que ça doit être vrai parce qu'il s'écoute comme du petit lait. C'est un peu comme du Lucinda Riley. Hein. On n'est encore pas sur le même niveau d'écriture. C'est pas pareil, mais c'est pas mal aussi. Voilà, donc je vous en parlerai plus longuement quand je l'aurai encore bien avancé. Là, pour l'instant, je suis au début. Je pense que j'ai dû lire quoi ? Pas tout à fait un quart... Enfin, écouter un quart du livre. Bon, après, je n'ai pas les repères visuels. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Hein, je ferai bien avec. Et puis, je vous en reparlerai plus tard. Voilà, donc pour aujourd'hui, je pense que j'ai terminé. Et on se retrouve. Un peu plus tard. On se retrouve aujourd'hui pour la fin de ce vlog et j'ai une bonne nouvelle. Alors bon, c'est plus pour moi que c'est une bonne nouvelle, mais bon, enfin j'en ai deux. Regardez-moi ça. Elle est finie. Elle est cousue, les petits patons, la petite carapace, et j'ai fait son petit bonnet. Alors, je pense que j'ai fait une couille ici qui explique sur la fin que j'avais un nombre de mailles un peu différent. Mais j'ai dit tant pis, j'en ai marre. Donc, voilà, bon, ça se voit pas des masses. Et ici, ça fait un drôle de truc, ces histoires de je joins le... avec la maille coulée, voilà. Enfin bref, bon, c'est pas grave, mon fils il s'en plaindra pas, il sera content, il s'en fiche, voilà. J'aurais dû la faire un tout petit peu plus large, parce que moi je trouve qu'elle est un petit peu haute, mais bon, à la limite c'est pas très grave, avec ou sans, elle est très mignonne.
Donc, je suis très très contente. Alors, cette jolie tortue qui s'appelle Mikey Turtle, pour mon petit garçon, et elle sort de ce livre-là, donc Les animaux de Cuquet aux éditions Erol, que j'ai acheté il y a un petit moment. J'ai fait ce modèle-ci. Je sais pas si ça. Voilà, si je vous la mets un peu dans le même positionnement. Alors, moi, j'ai peut-être des yeux un petit peu plus gros, bien que je ne pense pas. Moi, je crochète très serré, je pense qu'elle part. Et donc, du coup, bah, ça fait pas le même rendu pour les yeux. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien. C'est pas très. Voilà. Donc, voilà la petite tortue pour mon petit garçon. Alors, j'avoue que le chapeau est plutôt bien pensé. Surtout pour le devant et pour faire accrocher en fait cette petite lanière toute mignonne. Donc voilà, moi j'aime bien. Maintenant il faudrait que j'y mette un petit peu de fard à joues ici et ici. Moi je crois pas que j'en ai ici. Il faudrait que j'aille regarder en haut dans ma trousse de maquillage que j'utilise pas. si j'ai quelque chose, mais sinon voilà. Bon alors après, est-ce qu'il faut lui avancer un petit peu le fil pour que ça fasse un peu plus voilà, peut-être. Bon voilà, mon fils y regardera parce qu'à mon avis, il va pas lui laisser. Je le connais, il va vouloir lui mettre genre comme ça. Il a enlevé son sapin. Mais bon, voilà. Alors, si c'était à refaire, je pense qu'il faut que je rembourse peut-être un peu moins la tête parce que j'ai l'impression que le chapeau a un petit peu... Voilà, ou alors il faudrait faire un rang de plus. Ah, maintenant je l'ai complètement... Ah, maintenant que je lui ai enlevé son chapeau, je lui ai complètement déréglé l'emplacement. Mais bon, c'est pas très grave, vous allez me dire. Parce que en fait, j'ai l'impression... Après, vous me direz, c'est normal, hein, c'est... voilà. Finalement, vous ne voyez pas tant que ça, vous, le truc derrière qui n'est pas très beau. Voilà, là, si, là. Vous voyez, c'est pas terrible, ça. Mais je sais pas, j'ai peut-être pas mis ma maille coulée au bon endroit, je pense, pour le coup. Enfin, bref, là, j'avoue, je sature un peu, parce que hier, j'ai fait ce chapeau, je sais pas combien de fois, parce que ces trous-là me titillaient, et on en a quand même encore, malgré l'autre technique. Alors, bon... Je ne sais pas, je ne crois pas que ce soit une bonne idée de faire cette histoire-là. À voir la prochaine fois, il y a, mais je ne pense pas qu'il y aura prochaine fois, en tout cas avec le chapeau, parce que mon conjoint, lui, il veut un bandeau pour les yeux. Mais voilà. Donc, c'est-il pas chou? C'est-il choubidou, ça? Oh, moi, j'adore. Avec la petite chaînette. C'est trop mignon. Voilà, voilà. Donc, je suis contente du résultat. Je suis contente aussi, surtout, c'est que je m'étais mis comme objectif de ce vlog de terminer cette petite tortue. J'ai réussi et je suis fière de moi. Côté lecture, pas beaucoup avancé dans 907 fois Camille. Mais là, maintenant que j'ai fini mon amigurumi, je vais me mettre à 100% dans la lecture dans mon temps libre. Comme ça, je l'aurai terminé. Et ce sera plus facile pour moi d'avancer sur une autre lecture, plus facilement peut-être transportable avec ma liseuse. Parce qu'un livre, c'est compliqué, moi, je trouve. Je peux pas m'arrêter, enfin, j'arrive pas à m'arrêter au milieu d'un chapitre. Et puis celui-là, il demande beaucoup d'attention. Donc voilà. Sinon, j'ai bien avancé côté lecture audio dans le premier tome des Héritières de Lovenov, qui est le secret d'Agneta. Alors, ça s'écrit Agneta, mais là-bas, ça se dit Agneta, qui est une riche héritière du domaine de Lovenov. Qui a voulu s'émanciper de tout ça en partant à Stockholm faire des études d'art, de peinture. Et un jour, elle est rappelée d'urgence au domaine de Lovenov parce que son frère et son père ont eu un grave accident. De là va découler un changement de vie radical pour elle.
Elle va devoir prendre des décisions qui lui sont difficiles, qui sont contraires à ses envies, à sa volonté de vivre, de sa volonté dans la manière de vivre, mais qui vont lui paraître obligatoire. Et elle le dit souvent, le prix est cher payé. Voilà. Donc, pour l'instant, elle est dans cette situation. Et je continue avec plaisir la lecture. Donc, dans ce livre, j'aime beaucoup l'écriture de l'autrice qui est Corinne... attendez, j'ai mis ça à jour là récemment. Qui est Corinne Baumann, qui a écrit aux éditions Charleston cette histoire. J'aime bien sa plume. Elle se déguste. C'est un peu du Lucinda Riley, mais encore un petit peu différemment. Mais ça se lit aussi bien et ça s'écoute aussi bien que du Lucinda Riley. Franchement, je prends un plaisir fou. J'allais dire, je m'éclate, mais on ne peut pas dire ça sur une... Je prends un plaisir fou à écouter cette histoire et vraiment, ouais, j'adore. Donc là, c'est vrai que je la privilégie quand je fais des transports parce qu'en général, je fais des longs trajets, donc ça permet d'écouler quand même quelques heures d'écoute. Mais dès que je peux, que j'ai un petit trou ici, que je tricote, que je crochète, que machin, je m'y mets aussi et puis c'est top. Voilà, donc je pense que je vais bien avancer avec cette lecture audio quand je vais entreprendre le calendrier de l'Avent, enfin les tours de cou au crochet de mes enfants. Voilà. Sinon, bonne nouvelle, la deuxième bonne nouvelle, mes loulous sont arrivés et ils sont trop mignons. Oh, je les aime trop, je vous insérerai une petite vidéo là pour vous les présenter. Pour l'instant, ils prennent un peu leur marque. Ils sont arrivés hier soir, donc autant vous dire que c'est un petit peu compliqué. Je passe beaucoup de temps avec eux pour qu'ils s'habituent à moi en particulier, puisque c'est vrai que c'est moi qui vais beaucoup m'occuper d'eux. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, on voulait les mettre en haut. Sauf qu'en haut, on a des escaliers où il y a beaucoup de gros trous et en plus, entre les trois étages, les deux étages, on a trois escaliers à monter quoi. On a un espace un peu comme ça. Et mon conjoint a la trouille qui tombe en bas. Et finalement, cette nuit, on a un petit peu eu, il a eu peut-être un petit peu raison. Donc, on les a mis en bas. Là où j'ai mon atelier en fait, hein, le bureau où je squatte en attendant que mes travaux commencent. Et heureusement parce que la petite, la petite Tess, quand je suis arrivée ce matin pour passer du temps avec eux, dès que je me suis levée, comme je ne travaille pas le lundi, elle était tombée dans un... Entre le mur et un meuble, il restait un espace que j'avais bouché avec des trucs de mon conjoint. Sauf qu'elle a réussi à tomber dans le tout petit morceau qui restait. Évidemment, donc quand je l'ai retrouvé, c'était catastrophe. J'étais affolée et puis en fait, tout va bien, c'est pas grave. Elle a juste eu peur, je pense, et moi aussi. Donc effectivement, il m'a dit, mais cette nuit, on l'aurait retrouvé en bas, quoi. Oui, sauf que là, si elle tombe du dernier étage, elle est là en bas, elle est raide, hein. Ça c'est clair, surtout qu'elle se serait cassée le rompu le cou, ne serait-ce que je pense sur le premier rebord d'escalier qui a descendu. Donc on va, comme de toute façon les travaux vont pas trop tarder à commencer, enfin pas trop tard, je ne sais pas, d'ici quelques mois en tout cas, j'espère, d'ici maximum de 3 mois, parce que là j'en ai marre, pas se mentir. On va regarder pour faire fermer l'escalier du haut par par une espèce de... Comment ça s'appelle? Oh, je l'avais ce matin. Par une espèce de filet spécial pour les chats. Et qu'on fera sur l'entièreté, en tout cas, du dernier étage. Puisqu'ils ne seront pas amenés à être sur les autres étages, mais juste sur le dernier étage.
Et comme ça, du coup, il y aura. S'il y a accident, au pire, ils seront sur le filet et pourront descendre sur les dernières marches, mais ils ne pourront pas tomber de deux étages, quoi. Donc, oui, de trois étages. Non, de deux étages. Le troisième étage, c'est l'appartement au-dessus. Mais là, y a pas de risque. Le problème, c'est juste le palier du dernier étage qui est extrêmement dangereux pour eux. Et surtout que Tess, elle est encore un peu maladroite, Tessie. Je l'ai vue tout à l'heure, hein, parce qu'elle était là sur le bureau. J'ai vu, elle a commencé à monter sur mon livre là qui était ouvert, mais à moitié bancal. Et ça n'a pas raté, hein. Elle a failli tomber, je l'ai rattrapée. Bon, elle était là devant moi, c'est pas grave, mais elle serait toute seule, elle serait tombée, elle se serait peut-être fait mal. Donc voilà, bon. Mais en tout cas, je suis trop heureuse. Pour moi, c'est quelque chose. Ça fait un bien fou d'être là avec eux, de profiter d'eux. En plus, elle a passé quasiment toute sa matinée avec moi, là, ici. Elle me grimpait les jambes. Alors, par contre, ils sont de ses griffes. Je suis un arbre, vous comprenez. Elle monte sur mon collant, enfin, sur mon legging. C'est chouette. Sauf qu'elles ont des griffes très. Ça fait mal. Donc, voilà. Bon, allez, sur ce, j'arrête de vous embêter aujourd'hui. Je vais m'arrêter là et puis j'introduirai le vlog de la semaine prochaine. Pas aujourd'hui parce que je vois pas l'intérêt, ou alors ce serait vraiment par une petite vidéo ou quelque chose de rigolo que je ferai avec mes chats, mais ça serait pas sur quelque chose de. À moins que j'ai réussi à avancer. Mais là, je vais devoir aller chercher mes enfants à l'école. Et après, après, je me pose en bas avec mes loulous et je vais lire tranquillou. Voilà. Ça sera ma fin d'après-midi, parce que demain demain je bosse une bonne grosse journée, pas toute la journée mais un peu plus que d'habitude, puisque mon collègue lui peut pas être là, donc sa maman vient prendre le relais, mais je reste avec elle le plus que je peux, sachant qu'après je vais chez enfin je suis obligée de rentrer pour faire les visios parents prof de mon fils, et ensuite on part directement chez la psy, mais je pense qu'on va arrêter ça parce que finalement on a l'impression que c'est pas forcément utile. Donc je sais pas, mon conjoint il réfléchit. C'est vrai que ça devient contraignant parce que c'est des horaires qui sont difficiles pour lui et pour moi, finalement, maintenant. Et c'est familial. Donc on est obligé d'être tous les quatre, sinon ça n'a aucun intérêt d'en envoyer un et pas l'autre. Donc voilà. Donc à voir. Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, une très bonne semaine en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à mettre des pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye!